faut que je regarde. Hey! De retour sur le plateau de la TV Service. Et oui, je danse parce que je suis avec une prof de danse. Elle est exceptionnelle. Elle a accompagné Admiralty sur tous les plateaux. Elle nous vient de Marseille, ma ville préférée, ma ville de cœur. Oui, allez l'OM, droit au but. Elle est avec moi sur le plateau parce qu'elle est de passage en Guadeloupe pour vous donner deux, trois petites leçons d'Afro Dance. Oui, pour vous faire transpirer, j'ai l'honneur de recevoir Toupiti. Welcome. Hello, hello. Comment salut, ça salut. Va bien? Ça va et toi? Ça va, on est bien, ce sont les fêtes, tranquille, je te reçois. Mm-hmm. Bienvenue chez toi. Bienvenue chez oui, moi. Parce que tu es métissé, père guadeloupéen, mère comorienne. C'est ça. T'as vu, j'ai lu toute ta bio. Je te connais par cœur. Alors, on veut tout savoir sur toi. Donc, tu es une danseuse professionnelle. À quel âge as-tu déjà commencé la danse? Alors, j'ai commencé à danser très très tôt. Mais j'ai commencé à danser professionnellement tard, donc okay. Il n'y a que 5 ans. Mais sinon, je danse depuis quand même, ça fait 15 ans que je danse déjà. Ah, comment ouais. Tu as commencé avec quoi? Tu as commencé avec de l'afro, avec du hip-hop, avec, je sais pas, du zouk, avec quoi? Ben non, j'ai commencé avec la valse déjà, au début. Oh, danse avec les stars, sur un cha-cha-cha. Sur un... Non. Mais on va dire que ma base, ça a toujours été l'afro, parce que c'était la danse que j'ai toujours dansée, on va dire, habituellement. Okay. Mais après, j'ai commencé avec du hip-hop, avec la dancehall, etc. C'est là que je me suis plus intéressée, mais ma base, c'était toujours l'afro. Question piège, je veux faire quoi? L'afro. Ah, ouais, ouais. Je pensais qu'elle allait dire, bon, finalement, j'aime bien la dancehall, mais bon, voilà. Oui, bon, voilà. Alors, comment est-ce qu'on devient professionnel de la danse? Ah, ben, on devient professionnel quand on commence à côtoyer des artistes, à bosser avec des agences, à avoir peut-être une compagnie. Donc, voilà, après, moi, je sais que je travaille avec beaucoup dans beaucoup de domaines, que ce soit avec des artistes, avec une compagnie, avec aussi des théâtres, donc je touche un peu à tout, donc voilà, quoi. Est-ce que la danse, c'est facile? Je recevais un prof de danse dernièrement qui nous disait, c'est vrai qu'il y a certains stéréotypes, disons que les Noirs savent tous danser, alors que souvent, c'est pas forcément vrai, faut l'avouer. C'est faux. Parce que moi, on ne sait pas tous danser. Eh ouais, c'est la vérité. Alors, est-ce que c'est facile? Est-ce que ça s'apprend facilement? Est-ce qu'il y a des bases à connaître? Comment ça se passe? Ben non, pas du tout. C'est pas du tout facile. Il y a tout niveau. Il y a même des gens, moi je sais que dans mon groupe, il y a des gens qui étaient vraiment débutants, qui avaient même pas 6 mois de danse dans les pattes, okay. Et qui ont réussi à devenir professionnels aujourd'hui. Donc en fait, c'est soit t'as un talent de base et ben t'arrives à exceller, ben c'est bien pour toi. Okay. Ou sinon, ben t'as le côté où tu dois vraiment bosser. Ouais. Et là, donc il y a deux cas de figure en fait. Et toi, t'étais dans quelle cas de figure? Moi, j'étais déjà, donc j'excellais déjà. Donc du coup, voilà. Moi, j'étais professionnel. Je savais déjà manier la danse, le afro, le dancehall, voilà. Le gros cas. Tu sais danser le gros cas? Oui, un petit peu. Oui, un petit peu. T'as pas dansé, Admiral, t'as pas dit, oh, venez là pour nous danser un go-kart. Un petit peu. Il m'a dit, madame, si on va danser un go-kart. Tu l'imites bien. Ouais. Excellent. Et donc, tu donnes des cours de danse, tu m'as dit tout à l'heure, un petit peu partout dans le monde. C'est pas seulement en France ou à Marseille ou à Montpellier, à Sète. Non. Hey, je connais le Sud. Hey, le Sud, moi, je t'ai dit, c'est ma maison. Donc, tu donnes des cours de danse où exactement? Ben, régulièrement quand même chez moi, à Marseille, parce qu'il faut bien que je donne des cours chez moi. Mais sinon, après, dans le monde, ça fait l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, pas encore, parce que j'aimerais bien quand même, vu que je fais de l'afro. Mais ouais, sinon, un peu partout quand même. J'ai fait pas mal de pays. Et est-ce qu'on a une bonne base? Je dis on, hein, parce que tu es guadeloupéenne aussi, mm-hmm. Bien sûr, c'est la famille. Est-ce qu'on a une bonne base? C'est-à-dire, dans le monde, quand tu compares un petit peu avec les Américains, quand tu compares un petit peu avec le reste de l'Europe, est-ce que les Français se débrouillent plutôt pas mal? Ben oui. Franchement, déjà, on est réputé pour être des très bons freestylers. Okay. On est presque les meilleurs dans le freestyle. D'accord. Donc après, chorégraphiquement, on n'est pas dans l'entertainment, dans le show off comme les Américains. Ouais. Mais ça se vaut. D'accord. Se vaut. Donc ils nous envient un petit peu. Oui. Oui. Hey, c'est nous. Alors dis-nous tout, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'Admiral, de ta rencontre. Mm-hmm. Comment justement as-tu rencontré Admiral et comment as-tu pu faire, je sais pas si c'est la tournée ou tu as fait le concert à Bercy seulement? Bah oui, ok. Donc avec Admiral, on s'est rencontrés parce que déjà j'avais fait le casting auparavant par rapport à la scène à Bercy. Ouais. Donc du coup, j'ai eu la chance de participer au casting et d'être prise. Donc du coup, j'ai participé à l'aventure, à faire le concert de Bercy. Et par la suite, on a continué encore. Et du coup, on a fait la tournée Martinique, Guadeloupe et Guyane. Ok. Donc du coup, ça s'est très bien passé. Et après, de fil en aiguille, il s'avère qu'après j'ai fait le son avec lui, tout ça. Donc que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Ok, mais c'est excellent. Donc, même lorsque tu as fait le casting, est-ce que tu étais déjà professionnel ou est-ce que c'était après? Ben non, j'étais déjà professionnel parce que je. Donc ça veut dire que même lorsqu'on est professionnel, on passe des castings? Bah oui. On apprend toujours, on essaie toujours de se dépasser tout le temps. Donc c'est pas genre on t'appelle parce que t'es professionnel, viens, je me dis. Non, il faut d'abord. Non.
Et est-ce que, comment on gère ça quand même? Est-ce qu'il y a de la place pour l'ego? Parce que mine de rien, on est professionnel, ça veut dire qu'on donne des cours, et là on se retrouve à passer les castings. Comment est-ce qu'on vit ça? Est-ce qu'il faut faire taire son ego un petit peu? Bah en fait, tout dépend de la personnalité de la personne. Moi, je sais que je suis une personne où j'aime bien me challenger. Ouais. Donc, l'ego et moi, on se connaît pas. Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, ben, je sais que quand j'ai envie de me pousser, de repousser mes limites, ben, je vais faire des trucs qui vont me challenger et qui vont faire que ben, je peux monter. Ok. Donc, voilà. Alors, tu étais en Guadeloupe pour une raison bien précise. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu as donné des cours de danse. On salue d'ailleurs Jack, hey, Unique Dancer, qui lui aussi c'est le chorégraphe, il est toujours avec Admiral sur scène en train de danser comme un petit fou. Moi j'essaie de danser comme lui, mais à chaque fois je me brise le genou, je ne sais pas comment il fait. Alors parle-nous un petit peu, parce que tu n'es pas venu en Guadeloupe pour rien. Oui, donc bah avec Jack, forcément, vu qu'on se connaît par rapport au fait qu'on a fait l'aventure ensemble et que c'est le chorégraphe d'Admiral, il m'a invité parce que j'ai été précédemment en Martinique. Ouais. Donc du coup, bah, par la suite, il s'est dit que ce serait bien de venir passer à la maison du coup pour donner des cours chez moi. Donc du coup, on a monté ça ensemble et du coup, bah, j'ai donné un cours hier déjà, un cours débutant hier. Ok. Qui était super cool et du coup ben mon prochain cours c'est vendredi. Soir. Donc bien entendu vendredi vous avez compris qu'on a déjà enregistré l'émission. Le vendredi en question est déjà passé, mais c'est pas grave. C'est vrai, j'ai oublié. Et comment ça s'est passé justement? Donc est-ce que les gens étaient réceptifs? Est-ce que tu as trouvé de bons danseurs ici en Guadeloupe? Oui, franchement, que ce soit en Guadeloupe ou aux Antilles en général, il y a un gros potentiel. C'est juste qu'il est un peu étouffé, que ouais. Les gens voilà, ne sont pas poussés à leur maximum. Mais, et c'est pour ça qu'il y a des précurseurs, il y a plein de gens qui sont là pour justement pousser ces gens-là. Parce que c'est une mine d'or, quoi. Il y a vraiment beaucoup de talent. Justement, tu penses qu'on manque de structure? Oui. Alors, comment peut-on se structurer? Parce que donne des conseils. On a Jack déjà, je suis sûr qu'il est en train de structurer des trucs. Mais toi, est-ce que tu peux donner des conseils peut-être aux jeunes danseurs qui veulent peut-être arriver à ton niveau? Ben, pour ça, c'est le travail. Il faut travailler, il faut se former, il faut pas hésiter à bouger, c'est-à-dire ouais. Aller à l'étranger ou quoi que ce soit. Donc, prendre son petit sac à dos et bouger, même si c'est pas très loin ou à côté ou quoi, mais il faut quand même pas hésiter à aller à l'aventure et se repousser ses limites soi-même, quoi. On voit que voilà. Les danseurs, et je parle en général, je parle des twins, je parle aussi des autres twins que j'avais reçus, c'est-à-dire les Gamal, oui. Qu'on salue. On voit que... Ouais, tu connais? Ouais, hey, c'est très bon. Et tout ça, c'est la Guadeloupe. Mais qu'est-ce qu'on est fort. Alors, on voit que vous faites énormément de vidéos, justement un petit visuel pour montrer un petit peu ce que vous faites. Est-ce que c'est important maintenant, l'image sur Internet, et de se montrer, mais vraiment tel un artiste qui sort des clips H24? Ah oui, alors ça, je suis pas une ancienne parce que je suis quand même jeune, mais c'est vrai que d'avoir passé le cap de se dire bon, il faut s'adapter parce qu'avant c'était vraiment dans la street, ouais, donc c'était dans les événements, voilà. À Châtelet. Pas pour moi, en tout cas à Saint-Charles, la gare Saint-Charles. À Canebière. C'est ça, mais c'est vrai que maintenant avec ce cap, avec les réseaux sociaux, etc., il faut quand même se mettre à la page et tout le temps donner un contenu pour que les gens puissent te suivre. À travers le monde, parce que c'est le premier visu qu'ils ont, quoi. Okay. Donc voilà, donc c'est important de faire un de beau, véhiculer son image. C'est ça, exactement. Aussi le style, est-ce que le style aussi est important? On voit que t'as un style de ouf, cheveux rouges et compagnie. Bon, voilà. Et c'est là que j'ai su qu'elle était guadeloupéenne. Alors, est-ce que le style aussi est important, ou est-ce qu'on peut venir là comme ça et puis arriver et puis bon, danser quand même si on n'a pas de style? Ben oui, en fait, c'est juste la personnalité. Ça veut dire que du moment que tu diffuses une image positive et juste que tu sois toi-même, moi, c'est ma personnalité. Je ne m'invente pas un style, je ne m'invente pas une personnalité. C'est comme ça que je suis. On m'a toujours connu avec les cheveux rouges. Donc, ça a toujours été comme ça que j'étais depuis petite. Donc, voilà quoi. D'accord, c'est excellent. Je vous rappelle, tout petit, chorégraphe, si vous êtes sur Marseille. Allez la voir. Et on se rend compte de plus en plus qu'il y a un mélange entre le sport et la danse. Quand tu dors, quand tu dors, justement pour ne pas dormir, quand tu donnes tes cours de danse, est-ce qu'en même temps tu fais, y a des gens qui viennent justement faire un petit peu de sport, un petit peu pour maigrir, est-ce que tu prends aussi ce petit créneau-là de coach sportif? Bah, tout à fait, parce que j'étais en STAPS, donc du coup je suis issue d'une formation sportive, du coup ben, c'est complètement lié, donc oui. Indirectement, quand je donne mes cours, j'ai un peu ce truc-là de un peu être en mode coach sportif, en mode des fois animation, des fois voilà. Donc c'est lié. D'accord. Donc en fait, mis à part la danse,
je suppose que tu fais énormément de sport à côté, genre un footing pour le cardio et compagnie. Est-ce que ça aussi c'est important? Oui, c'est très important. Je vais pas mentir, hein, je suis pas une... j'étais une sportive maintenant. Voilà, on grandit, on mange un peu. On vieillit, j'aime bien on grandit. Ça fait longtemps que j'ai pas été à la salle, longtemps. Mais sinon, si, c'est très important. Ouais. S'étirer, prendre soin de son corps, c'est très. Parce qu'au final, les articulations, on en. Voilà, oh là là, on en bat beaucoup. Pas. On en bat beaucoup, surtout avec l'afro, avec les jambes, tout ça. Vous voyez les cuisseaux. Donc voilà. Faut pousser tous les jours. Pousser les squats. Il faut travailler les muscles. Mais oui, c'est très, très important. Très important. Ok, quel conseil tu peux donner encore une fois aux jeunes qui veulent débuter de se lancer dans la danse? Moi, le conseil que j'ai pour eux, c'est de ne pas abandonner, parce qu'on est quand même beaucoup dans le milieu artistique, que ce soit dans le chant, que ce soit dans la danse ou n'importe quoi. C'est vrai qu'on est beaucoup, donc ça peut faire peur et les gens peuvent avoir une appréhension en se disant ben non, ben pourquoi moi en fait, ouais. qui je suis pour percer, quelque chose comme ça. Mais je me dis en fait, on est tous uniques à notre manière, donc en fait, on a tous quelque chose à dire. Artistiquement parlant, tout ça, mais ça l'a fait passer, donc ça mérite d'être dit et fait, donc faut le faire quoi. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Parce que là, je suppose que maintenant tout le monde veut te suivre, veut voir tes vidéos, veut voir les clips et prendre surtout des cours avec toi. Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, oui. WhatsApp, donne tout. Alors, waouh, pas mal, j'aime bien. Écoute, on fait ce qu'on peut. Donc si vous voulez me suivre, du coup, ben, j'ai Facebook, donc c'est Tout Petit Densa avec 2 O, et Instagram, c'est Tout Petit Densa avec 3 O. Ok. Donc voilà. Et l'adresse, bien sûr, Gmail, qui Tout Petit Densa 05 @gmail.com. Je donne tout. Voilà. Tout, mais vraiment tout. Alors, pour devenir professionnel, je dirais même pas professionnel, pour bien savoir danser, si je ne sais pas danser du tout, il me faudrait à peu près combien de temps? Est-ce que ça se compte en mois, en jours, en années ou en secondes? En fait, tout dépend de ton implication. Disons que je suis impliqué, je veux vraiment savoir danser. Est-ce que je peux apprendre ça en un mois? Non, pas un mois, mais en mois. En mois? Donc ça peut être 1, 2, 3, 5, 6, mais en mois. Oh là là, donc faut que je réserve. Faut être patient. Faut être patient. En tout cas, tout petit, ça fait un réel plaisir de te recevoir. Moi de même. Dès que tu reviens au Guadeloupe, tu nous appelles, tu passes, comme ça on peut informer les gens en avance et tout. Jack, hey, je t'attends aussi sur le plateau. Quel est le futur de tout petit? Est-ce que déjà tu as d'autres dates avec d'autres artistes, peut-être américains, peut-être caribéens du côté anglophone? C'est quoi ton futur? Ben, j'ai d'autres dates, j'ai d'autres projets, donc je suis un peu dans l'événementiel en ce moment, donc okay. J'ai des événements en cours, donc voilà. Tu organises aussi? Ouais, j'organise des événements aussi. Okay. Bientôt aussi dans le cinéma, mais ça c'est confidentiel, donc voilà. Bien sûr, Taxi 5. Je sais pas si j'ai déjà sorti, je sais plus. Donc voilà. Ok, c'est excellent. Et tu fais autre chose justement, à part l'événementiel, la danse, qu'est-ce que tu fais? Je cuisine. Oh! Faut pas me dire ça. Fais les boquites. Tu fais Ok, ben, le rendez-vous est pris. En tout cas, encore une fois, merci de passer sur le plateau. Merci à toi aussi. Franchement, n'hésite pas à repasser. Bien sûr, moi, je tiens bien sûr à remercier mes partenaires qui m'habillent. Et oui, ce beau petit pull, ça nous vient de Bastère. L'écrin, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, si vous en avez marre de faire votre lessive, et oui, parce qu'on n'a plus le temps, en plus on a des bouchons à cause des radars tourelles, direction Le Moule, Net Blanchisserie Pressing, ils font ça aux huiles pour vous. Tout petit, longue vie, soigne bien les rotules, dis bonjour à Marseille pour moi. Hé, hey, Benedetto, Dimitri, Payette, je t'aime. Hé, hey, allez l'OM. Alors nous, on se retrouve demain dans un nouvel épisode de ETV Service. À demain.